Depuis des années, je filme des personnes vivant dans des espaces clos. Dans des camps de réfugiés, dans des prisons, dans des bidonvilles, que ce soit sur les toits de Phnom Penh ou bien dans des wagons à bestiaux en Azerbaïdjan. Depuis des années, j'observe la détresse, la désolation, l'inégalité, en rêvant de faire changer le monde tout en sachant que mon utilité est minime et dérisoire. Mais je continue à rêver. Depuis des années, je filme et j'aime la danse sous toutes ses formes, dans toutes ses représentations, que ce soit à l'Opéra de Paris ou au Moulin Rouge. Mais c'est en Afrique du Sud, au Cap, que j'ai trouvé pour la première fois réunis mes sujets de prédilection, la danse, les bidonvilles et le rêve. C'était l'opportunité de faire un film en l'honneur de tous les danseurs et de tous les rêveurs. C'est au Cap que j'ai rencontré Philip Boyd, un ancien danseur classique. Il a rêvé de faire danser les enfants des townships et il a créé Danse pour tous, une association qui accueille les enfants et leur propose des cours de danse classique. Avec sa femme Phyllis, ancienne danseuse étoile, Philip partage ce rêve devenu enfin accessible, faire danser les enfants des quartiers les plus défavorisés pour les préserver de la violence. Aujourd'hui, ils ont gagné leur pari. Danse pour tous compte plus de 200 élèves. Au début, tout le monde me critiquait. Les gens ne comprenaient pas qu'on enseigne la danse classique à des enfants noirs. Je crois qu'ils se disaient, les enfants noirs ont de grands pieds et de gros culs. Pourquoi s'acharner à leur apprendre la danse classique? Souvent, on me disait, tu sais Phil, tu peux aller passer le restant de ta vie à pisser contre les murs de Kayelitcha, ça ne changera rien. En fait, depuis 14 ans, ça a changé pas mal de choses. Au départ, ils étaient un peu pas très en place. Mais en mangeant mieux, en travaillant dur, en faisant des étirements, on peut transformer son corps. Leurs pieds se sont améliorés. Au début, aucun d'eux n'avait de très bons pieds. J'ai été frappé par le niveau de ces jeunes danseurs. Chaque jour après l'école, ils vont suivre des cours de danse. Quand je suis arrivé, l'année scolaire était terminée, mais les cours de danse continuaient et les répétitions allaient s'intensifier jusqu'au spectacle de fin d'année. À un moment que tout le monde attendait impatiemment. Certains de nos élèves sont choisis pour aller dans un meilleur lycée en dehors du township. Ils peuvent bénéficier d'un système de bourse d'études. Donc nous pouvons payer leurs cours de danse, bien sûr, mais aussi leurs livres scolaires, leurs vêtements, leurs transports et parfois même leurs repas. Nous avons des voitures qui les conduisent à l'école tous les matins et qui les raccompagnent tous les soirs. C'est Boulelo qui a bien voulu me parler en premier. Avant, j'allais à l'école et après les cours, je ne savais pas quoi faire. Souvent, je m'ennuyais, je traînais avec mes copains. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des conneries, tu vois. À jouer les durs et à se battre et à casser des vitres. Quand j'ai commencé la danse, au début, je n'ai pas accroché, tu vois. Je pensais que c'était pas pour moi. Maintenant, je me rends compte que ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je sais où je vais, tu vois. Ça m'a donné de l'espoir. L'espoir que j'avais pas avant. C'est difficile de dire à vos copains que vous êtes des danseurs? En fait, c'est pas difficile pour nous de dire à nos copains qu'on est danseurs. Parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous aimons faire, tu vois. Pour eux, la danse, c'est un truc de fille. Les garçons sont pas censés faire de la danse, tu vois. Mais en fait, ce sont eux qui se trompent. En fait, quand tu dis que tu es danseur, certains te disent « Ah ouais », et il y en a d'autres qui t'ignorent. Asanda, qui habite dans le même quartier que ses copains, a tenu à nous présenter sa famille. C'est la seule famille que nous ayons rencontrée qui ne soit pas décomposée. Voici Tulani, Longiosa, Sinazo, Akona et mon père Ernest. Et ma mère est juste là dans la cuisine en train de nous préparer à dîner. Quand j'ai commencé à danser, j'étais très gros. Mes parents étaient fiers de moi parce que j'étais leur premier enfant, alors ils n'arrêtaient pas de me nourrir et je suis devenu gros. J'ai commencé à danser parce que je voulais être en forme et perdre du poids. Ça a été très dur pour moi. Quand les autres sautaient, ils sautaient plus haut que moi. Quand ils tournaient mieux que moi.
mais je me suis accroché malgré la pression car je voulais tout faire comme les autres. J'ai commencé à perdre un peu de poids chaque jour et je continue à en perdre encore aujourd'hui. Ils ont travaillé très dur, ils doivent s'entraîner tous les jours. Depuis 10 ans, ils en courent pratiquement tous les jours. C'est la seule manière de former un danseur. Il faut au moins 12 ans pour faire un danseur professionnel. C'était l'un de nos élèves. Il est à Johannesburg maintenant. Il a intégré la compagnie de Johannesburg, la compagnie nationale de danse classique de Johannesburg. Et il a débuté chez nous il y a 14 ans. Tous ses élèves se battent dans l'espoir de devenir des danseurs professionnels et de gagner leur vie avec leur art. Ils n'y arriveront pas tous, bien sûr, mais la danse classique leur apporte confiance en eux, discipline et rigueur. Grande surprise, j'ai découvert que Danse pour tous proposait ses cours au centre même des principaux townships du Cap. De cette manière, les enfants les plus isolés peuvent accéder à une salle de danse, même si elle est le plus souvent improvisée dans une salle d'école. Nadia Krylova, d'origine russe, a été pendant 20 ans une des danseuses du prestigieux ballet du Bolchoï. Depuis maintenant 12 ans, elle consacre sa vie aux enfants et enseigne son art aux plus petits dans le programme d'initiation à la danse classique. La petite Lamla a accepté que je l'accompagne jusqu'à sa maison, où elle vit avec sa mère et sa petite sœur. Son père est parti depuis longtemps, comme c'est le cas dans beaucoup de familles, pour ne pas dire la majorité. Mon plus grand rêve, c'est de devenir une grande danseuse, une danseuse professionnelle. Ma sœur faisait de la danse, la sœur de mon cousin faisait aussi de la danse, et elle est devenue prof de danse. Alors je suis fière de danser aussi, je veux être comme elle. J'ai peur des inconnus. Parfois des maisons brûlent, parfois il y a des cambriolages, il y a beaucoup de voleurs qui rôdent dans ce quartier. Sibale, la meilleure amie de Lamla, vit elle aussi avec sa maman. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait 2 ans. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que la danse a changé dans ta vie? Je ne traîne plus dans la rue. Je ne joue plus dans la rue. Je ne suis pas une racaille. Il est dangereux, ce quartier? Oui. Ce lit. C'est ton lit? Le mien et celui de ma sœur. Et mon frère, il dort dans ce truc-là, sous le lit. Et elle dort où, ta maman? Ici. C'est quoi ton plus grand rêve?
Je voudrais être une danseuse professionnelle, devenir célèbre et fonder ma propre compagnie. Je voudrais rendre ma mère célèbre et toute ma famille, et subvenir aux besoins de ma famille. Sibale et Lamla vivent dans les quartiers les plus défavorisés, dans ces petites cabanes, surnommées les shacks, qui constituent l'essentiel des habitations des townships. D'immenses zones comme celle-ci bordent la plupart des grandes villes d'Afrique du Sud, au Cap, à Johannesburg ou à Durban. Rien qu'au Cap, plus de 900 000 personnes habitent dans les townships, dont la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, la drogue, le chômage, la maladie et l'alcool font des ravages. Pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les townships, le gouvernement développe des programmes d'aide familiale. Les shacks sont progressivement remplacés par des maisons en dur, l'eau courante est installée, des sanitaires sont construits et le réseau électrique est étendu aux zones les plus défavorisées. En 2001, près de la moitié des dépenses publiques concernaient l'éducation, la santé et les services sociaux. Les cours proposés par Danse pour tous sont très variés. Outre la danse classique, on y enseigne aussi le flamenco, le modern jazz, la comédie musicale et bien sûr la danse africaine. Vous voyez ce goûter sur la table? En général, on leur apporte à manger une fois par semaine. Beaucoup d'enfants qui viennent ici n'ont rien à manger. Alors on essaie de les nourrir dès qu'on peut. Patrick, ancien élève de danse pour tous, assure certains cours de danse africaine. On faisait une répétition pour samedi parce que les tout-petits ont tendance à oublier les pas. Il faut répéter tous les jours avec eux. Patrick Daza a voulu nous emmener à Guguletu, un des townships les plus dangereux du Cap où il vivait autrefois. C'est là que j'habitais. C'est mon township ici. Ça commence ici et ça va jusque là-bas. Je vais vous montrer ma maison. Grâce à l'association, Patrick vit maintenant hors des townships. Bon, ça, c'est la maison où j'habitais avant. J'habitais ici. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez entrer et voir comment c'est. Ça va ? Nous n'étions pas toujours très à l'aise à la tombée de la nuit. Nous étions considérés comme des inconscients de circuler avec une caméra dans des lieux où aucun blanc n'ose s'aventurer. C'est la raison pour laquelle, à aucun moment, nous nous sommes arrêtés longtemps pour filmer. Certaines zones des townships sont totalement désertées par les forces de l'ordre. L'ONU fait état de près de 8 millions d'armes à feu en circulation. Une personne sur six serait armée. On avait raison de ne pas y rester longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de crimes ici? Oui, il y a pas mal de crimes dans ce township. Combien de temps tu as vécu dans les townships? Plus de 20 ans.
le taux de criminalité en Afrique du Sud est proche de celui d'une guerre civile. En 2003, la police a recensé plus de 19 meurtres, dont 20% dans la seule région du Cap. Il y a beaucoup de femmes qui habitent dans ce quartier. Patrick nous a conduit voir sa femme Lorraine, elle aussi professeure à Danse pour tous. Lorraine a dû retourner dans son ancienne maison dans les townships. Sa mère vient de mourir, elle doit maintenant s'occuper de toute sa famille. Ça, c'est mon bébé. C'est ton bébé? Oui. Là, on a une petite chambre avec un grand lit. Combien de personnes dorment dans ce lit? 5. 5 personnes dorment dans ce lit? Oui. J'ai commencé comme danseuse. Et maintenant, tu es... Prof de danse, oui. T'es contente? Oui, très, parce que je fais un boulot que j'adore. J'adore travailler avec les enfants. Le lendemain, Phyllis nous emmène à son cours de danse dans une des 4 écoles où Danse pour tous a fait installer du matériel. On m'a tiré dessus, sur le pied. Mais quand? C'était le 20 mai, en 2001. Comment ça va maintenant? Ça va mieux, tout va bien, sauf parfois quand il fait froid, j'ai un peu mal aux pieds. J'habite dans un township. C'est très dangereux, car beaucoup de gens dans les townships n'ont rien. Et ils finissent par avoir des problèmes. Et comme il y a beaucoup de violence, c'est très dangereux d'y vivre. La semaine dernière à Khayelitsha, une fille a été violée par une bande de garçons. Il y avait au moins 5 garçons. Après, ils lui ont tranché la gorge et lui ont enfoncé une bouteille dans le vagin. Ça craint. Ils te violent, toi tu vas voir la police pour porter plainte, et les gars se font arrêter. Mais le problème, c'est qu'on les arrête pour les relâcher le lendemain. Et après, ils viennent te narguer. À mon avis, 99% des filles ici ont été violées. Il y a beaucoup d'enfants qui ont subi des sévices sexuels dans leur famille. Souvent, les parents sont au chômage. Ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et ils se soulagent en maltraitant leurs enfants. En Afrique du Sud, les pères violent parfois leurs enfants alors qu'ils n'ont que 3 ans. En 2003, les autorités ont recensé 6315 viols dans la seule région du Cap. Dans certaines régions d'Afrique du Sud, plus de 80% des viols ne seraient pas signalés et donc non répertoriés. La majorité sont commis au sein de la famille, par le père ou par un proche. Selon la Commission sud-africaine des droits de l'homme, plus d'un tiers des enfants auraient été victimes d'une agression sexuelle avant leur majorité. Pour l'ONU, l'âge moyen des enfants victimes de viols serait de 7 ans. Ici, les vieux, les papas et les papis sont persuadés que quand on est séropositif et que l'on fait l'amour avec une petite fille vierge ou un petit garçon vierge, cela va enlever la maladie. En fait, c'est un mythe, juste une excuse pour violer de jeunes enfants. Cette année, les élèves de Danse pour tous sont invités à participer à un grand show retransmis à la télévision. Le spectacle a pour but d'informer la population sur les risques du sida et de tenter de mettre fin à des mythes aberrants et insupportables.
Plus de 10 000 spectateurs, presque tous des écoliers, sont arrivés par bus des quatre coins du pays. Ces écoliers pourront ensuite faire dans leur village de la prévention orale sur le sida. Les pâtes ? Oui, j'aime beaucoup les pâtes. Nadia vit au centre du Cap, dans les quartiers aisés de la ville, qui sont tous protégés par des milices armées, car les autorités ne parviennent toujours pas à résoudre les problèmes d'insécurité. Vous invitez souvent les enfants à dîner chez vous ? C'est souvent que les enfants viennent dîner chez vous ? Quelquefois. C'est pas seulement pour le dîner, c'est pour le week-end. Ils adorent ça. C'est ici que j'ai rencontré Vuela, surnommée Miss Happy par ses camarades. Tu dors ici souvent ? Oui, de temps en temps. Et tu aimes ça, venir manger ici ? Oui. Miss Happy participe à la répétition générale du spectacle de fin d'année qui a lieu au centre Massicanier, un des nombreux centres culturels construits par le gouvernement pour réhabiliter les quartiers défavorisés. Après la répétition, les enfants sont ramenés chez eux dans des voitures de l'association qui parcourent les townships. Les transports sont bien trop chers pour les familles. J'ai accompagné Fiona, la sœur de Miss Happy, dans leur maison où elles vivent avec leur maman, leur grand-mère, leurs frères et leurs sœurs. Alors, dites-moi quels sont vos enfants. Montrez-moi vos enfants. Bon, il y a Fiona. Fiona, ok. Et l'autre ? Viens ici. Vous y êtes là. Ça, c'est mes chaussons de danse. Quand on fait de la danse classique, on ne peut pas danser pieds nus. Il faut mettre des chaussons. Ça, c'est mon collant. Je n'aime pas danser, tu sais, sans rien sur ma peau. Je préfère mettre un collant. Et ça, c'est ma jupette. La prof me l'a donnée l'année dernière. J'aime bien mettre ma jupette quand je danse. Parce que j'ai besoin de... Quand je serai grande, j'aimerais être une star. Une étoile dans le ciel que tout le monde reconnaît. Être célèbre. T'es excitée à l'idée de danser samedi soir ? Excitée. Très excitée ? Oui, oui, c'est le spectacle de fin d'année. Et ta grand-mère, elle va venir ? Oui. On y va toujours. Elles viennent toujours. Avant, on habitait à Athlone,
un quartier mixte avec beaucoup de métis et de malais. On avait tout à proximité. On avait des commerces. On avait les écoles qui n'étaient pas loin. On nous a déplacés pour nous emmener dans les townships. Donc, j'habite ici depuis 1960. Dès qu'on est arrivé ici, la vie est devenue plus dure. Il a fallu prendre les transports et marcher des kilomètres. Quand on sortait du quartier, il ne fallait pas oublier son pass. Si la police te prenait sans ton pass, elle pouvait te mettre en prison. C'est ainsi que 3,5 millions de Noirs ont été parqués dans des ghettos. Qu'est-ce que c'est la fin de l'apartheid pour toi ? Aujourd'hui, on peut aller dans les écoles des Blancs. Je peux apprendre la langue que je veux. Je peux prendre mes propres décisions et faire ce que j'ai envie de faire. L'Afrique du Sud vit une transformation extraordinaire avec la démocratie. Pourtant, quand je quittais les townships le soir et que je rentrais en ville, j'avais l'impression de quitter un ghetto pour un autre. Le centre du Cap où vit essentiellement la population riche. Aujourd'hui, c'est le spectacle de fin d'année tant attendu. Parents, voisins, amis, curieux, la population locale assiste à la représentation. Certains mécènes et parrains de l'association sont même spécialement venus de Suisse ou des Pays-Bas. C'est la seule fois où j'ai pu voir des blancs dans les townships. Misapi et ses amis ont longtemps rêvé de ce spectacle. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Rêver, c'est possible. Tu as le trac un peu aujourd'hui avant de rentrer sur scène ? Non. Aussi, j'ai rêvé en faisant ce film. J'ai rêvé avec ses enfants. J'ai adoré regarder mes potes Manu, Jésus et Camille, les larmes aux yeux devant tant d'efforts, d'exigences et de grâce. Devant ces enfants qui, malgré un contexte social difficile, malgré la violence, essayent de trouver une issue à leur misère. Chaque jour, ces enfants et ces adolescents nous rappelaient à l'ordre. À leur manière, ils symbolisent l'espoir et la grâce. J'ai adoré regarder ces cours de danse pendant des heures. J'ai adoré regarder et filmer ces sublimes corps d'enfants, d'adolescents, d'adultes, filles et garçons dont le seul but est d'être heureux. J'ai rêvé que le monde devienne meilleur. J'ai été ému devant les couleurs du drapeau sud-africain porté fièrement par ces adolescents.
j'ai rêvé que tous les enfants du monde puissent continuer à rêver. Thank you.